Tu sais, Sophie, maman, elle est bizarre en ce moment. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rit toute seule et quand je lui demande pourquoi, elle me serre très fort, elle pleure et elle dit... Elle dit qu'elle n'a jamais été aussi malheureuse. Je n'y comprends rien. Une question, est-ce que tu me répondras? Ça dépend de la question. Tu étais sur la Sibylle avec mon papa, n'est-ce pas? Tu as fait naufrage avec lui. Alors pourquoi tu n'es pas morte, toi? J'ai eu de la chance. Avec mon père, nous avons pu monter dans un grand baquet qui flottait et nous sauver. Et Blaise le comte? Lui était resté sur le bateau avec mon cousin Paul et le commandant de Rosebourg. Enfin, avec ton papa. Emmenez-la et embarquez, vite! Attendez! Ils ont fabriqué un radeau et ils ont quitté le navire de leur côté. Ensuite, ils ont réussi à atteindre une île. Alors pourquoi maman a toujours dit que mon papa était mort? Elle le croyait, Marguerite. Mais Blaise était avec lui. Et il est revenu. Alors maintenant, ta maman espère aussi le retour de ton papa. C'est pour ça qu'elle rit. Oui, mais en même temps, elle a très peur qu'il ne revienne pas. C'est pour ça qu'elle pleure. Et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais dans ton baquet? Nous avons dérivé plusieurs jours et enfin, un bateau nous a recueillis. Ohé! Ohé! À tribord, toutes! Un bateau qui allait en Amérique? Oui, nous avons vécu dans une plantation. Mon père s'est marié avec cette horrible femme. La fille chimie? Oui. Et quand il est mort, je suis restée seule avec ma belle-mère. Hop là! C'est loin l'Amérique? Viens voir. Là, tu vois, ce sont les îles Caraïbes, où Blaise, Paul et ton papa sont arrivés. Ces points minuscules? Là, c'est l'Amérique. C'est une île aussi? Non, pas vraiment. Et nous, où on est? Montre-moi, Fleurville. C'est là, en France. Mais on est tout près de l'île de mon papa. Je peux faire un pont avec mes doigts. Oh, la campagne serait un endroit délicieux s'il n'y avait pas les insectes. Ni le soleil. Oh, ni les odeurs. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je défaille. C'est du fumier pour nos plantations. Vous, les Parisiens, vous êtes si raffinés, vous ne pourriez survivre une minute sur une île déserte. Ma chère cousine, les Parisiens ne sont pas assez stupides pour aller s'égarer sur une île déserte. Tu as fait naufrage, tu es revenu. Blaise le comte a fait naufrage, il est revenu. Mon papa a fait naufrage, il va revenir. C'est logique. Oui, c'est logique. Et Paul? Paul pourrait revenir, lui aussi. Oh. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de ton naufrage et de ta vie en Amérique, Sophie? Parce que ma belle-mère m'avait défendu d'en parler. Et puis j'ai essayé d'oublier. Penser à mes parents et à Paul, ça me rendait trop malheureuse. Blaise le comte dit que Paul est toujours vivant. Impossible! Après tant d'années... C'est possible puisque Blaise est revenu. Blaise n'est pas un enfant, lui. Mais Paul était avec le commandant de Rosebourg. Il est probable que les cannibales les ont mangés. Tais-toi donc! Tu as l'air de chercher tout ce qui pourrait faire de la peine à Sophie. Laisse, Jean. Léon a raison. Je prends mon désir pour une réalité. Paul, où es-tu, mon Paul? Quelque chose me dit que tu es en vie et que si je le désire vraiment, tu vas revenir. Je veux que tu reviennes, Paul. Reviens, je t'en prie. Paul! C'est le vent.
Un fantôme! Le fantôme de Paul, il est mort! Non! Sophie, ça ne va pas? Oh, c'était vous, madame. J'avais cru... Quoi? Je n'arrive pas à dormir. Depuis que j'ai revu Blaise le comte, je ne peux m'empêcher de penser que Paul va revenir. Et en même temps, j'ai peur qu'il le soit. Pauvre enfant, tu es comme moi. Quand j'ai vu hier le bonheur des Lecomte enfin réunis, je n'ai pu m'empêcher d'éprouver un vilain sentiment. Un sentiment d'envie. Si Blaise est rentré, madame, pourquoi pas eux? Tu le crois? Tu le crois aussi, n'est-ce pas? Oui, je le crois, madame. Pendant tant d'années, j'étais sûre que mon mari était mort. J'étais désespérée. Mais maintenant, j'ai à nouveau de l'espoir. Et de ne pas savoir est le pire des supplices. Moi, avec le temps, je m'étais presque faite à l'idée de ne plus jamais revoir Paul. Mais maintenant, je pense à lui tout le temps. Il est tard, Sophie. Il faut dormir maintenant. Cela m'a fait du bien de savoir que vous aussi... Mon ami. Demain matin, j'irai chez Blaise le Comte. Il me dira si je peux espérer pour mon mari et aussi pour le jeune Paul. Et Sophie, comment supporte-t-elle toutes ces émotions? Elle est forte. Si vous en êtes d'accord, je l'emmènerai demain voir le comte avec moi. Elle a aussi une foule de questions à lui poser. Bien sûr. Pouvez-vous vous occuper de Marguerite? Elle est encore si petite. Elle n'a pratiquement pas connu son père. Je voudrais la laisser en dehors de ce fol espoir. Savez-vous, ma sœur, qu'il existe à Paris, au ministère de la Marine, un bureau où l'on trouve des nouvelles des naufragés? Je pourrais m'y rendre pour votre ami. Vous feriez cela? L'espoir est mince, mais on ne sait jamais. Tout, plutôt que de rester sans rien faire. Inutile de prévenir Madame de Rosebourg ni Sophie, je ne voudrais pas leur donner trop d'espoir. Le mieux est que je parte immédiatement. Je vais faire apprêter la voiture. Vous êtes le plus merveilleux des frères. Que ne ferais-je pas pour contenter la meilleure des sœurs? Ah, c'est vous, madame. Entrez. Comment vous remercier de ce que vous avez fait pour ma femme et pour ma fille? Vous pouvez nous aider, Blaise. Oui, nous voudrions vous interroger. Savoir de vous quelles peuvent être nos espérances. Ah. Madame! Madame! Marguerite a disparu. Où sont Paul et le commandant? Sont-ils vivants? Ils... Sont-ils bien traités par ces cannibales? Mais ce ne sont pas des cannibales et... Ont-ils des bateaux? Mais je... Et vous, monsieur le comte, comment avez-vous réussi à vous enfuir? Croyez-vous qu'ils puissent s'évader comme vous l'avez fait? Enfin, pourquoi ne dites-vous rien? C'est que je ne sais pas par où commencer, moi. Pardonnez-nous, nous sommes tellement inquiètes. Racontez-nous tout depuis le début, je vous en prie. Comme je vous l'ai déjà dit... Oui. Notre radeau a dérivé pendant 7 jours avant de venir s'échouer sur une île inconnue. Nous étions épuisés. Surtout votre cousin Paul, qui avait beaucoup souffert de la traversée. Le commandant voulait le laisser à l'abri sur la plage et partir explorer une forêt où nous espérions trouver à manger. Et courageusement, votre cousin insista pour nous accompagner.
J'ai beaucoup bourlingué dans ma vie. Eh bien, croyez-moi, je n'en ai jamais vu d'aussi gentil. Dieu soit loué. Et ensuite, vous vous êtes sauvé? Pourquoi mon mari et Paul ne se sont-ils pas enfuis avec vous? C'est que très vite, nous fûmes séparés. On m'embarqua sur une pirogue et je dus vivre sur une autre île. Et Paul? Et mon mari? Je ne les ai jamais revus. Je pense qu'ils ont dû vivre comme j'ai vécu moi-même au milieu des Indiens. Vous étiez bien traité? J'étais nourri, j'étais logé, mais ma liberté me manquait. Le chef m'avait pris en amitié. Rama Gaou Traouglou, fini tristesse à toi. Ce soir, moi donner fête à toi. Un soir, il me convia à une curieuse cérémonie. Aramburu Kaou Gaou. Kalipu, fille de moi. Fini tristesse, Kalipu, être femme de toi. Magaou Neglou Maou. Toi pas vouloir, Kalipu. Pake Naou Gaou Pate. Moi déjà femme. Maou Glaou Ne Kalipu Gaou Maou Glapé. Aramburu, Teraguadou, Ne Kakaou Kache. Araharabarumbarou, Karki. Je n'avais pas le choix. Je devais épouser Kalipu, la fille du chef, ou mourir. Et qu'est-ce que tu as fait? Comme tu peux le voir, je ne suis pas mort. Blaise! Douterais-tu de la fidélité de ton mari? Ce soir-là, j'ai décidé de m'enfuir. Méchant, qui a voulu me faire enrager? Mon Dieu, et si mon mari avait été confronté au même choix? Madame, le commandant préférerait 100 fois la mort plutôt que de trahir sa chère femme. Vous m'effrayez. Moi, je préférerais que Paul se marie et qu'il ne revienne jamais plus, plutôt qu'il soit mort. Marguerite, comment es-tu là? Je voulais savoir, maman, pour papa. Alors il est mort. Il ne reviendra pas. Pourquoi dis-tu cela, Marguerite? Monsieur le comte est bien revenu, lui. Racontez-nous donc votre évasion, Blaise. Depuis quelque temps, je rassemblais des provisions dans une cache. Cette nuit-là, la veille du jour fixé pour mon mariage avec l'Indienne, je m'emparais d'une pirogue. Les provisions commencèrent à manquer. Je réussis à prendre quelques poissons. Mais l'eau vint à son tour à manquer. J'étais presque mort quand je fus recueilli par un navire. Gaillard, n'est pas mort. Où suis-je? Un Français. Allez, bâtard! La cale, ça conserve. J'avais eu le malheur de tomber sur un bateau de pirates. Ces brigands me traitèrent plus mal que les Indiens. Ils me ballottèrent pendant 6 mois, ne me sortant de ma prison que pour travailler comme un forçat. Un soir que le navire était au mouillage dans un port des Antilles, la racaille, t'as le droit au festin aujourd'hui. Et où il est celui-là? Sacre bleu. Je réussis à rejoindre un navire français. 3 semaines plus tard, je débarquais au Havre, bien heureux de retrouver sous mes pieds la bonne terre de France.
Merci. Salut. Salut. Je me rendis aussitôt à Paris, au ministère de la Marine. Je voulais faire enregistrer au plus vite mon retour auprès du bureau des catastrophes et des disparus en mer. Est-ce que tous les rescapés vont ainsi se faire inscrire au ministère de la Marine, monsieur le comte ? Certainement, mademoiselle. Après plusieurs années d'absence, on vous croit souvent mort. C'est le seul moyen pour retrouver sa famille ou ses proches. Si nous allions à ce bureau, madame, peut-être aurions-nous des nouvelles de nos disparus. Tu as raison, Sophie. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? C'est inutile, mon ami. Mon frère est parti ce matin pour Paris, dans ce but. Oh, Marguerite est là, je m'en doutais. Tu avais toi aussi envie d'avoir des détails sur ton papa. Monsieur, votre frère est bien bon de faire pour moi cette démarche. Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé ? Je craignais de vous donner trop d'espoir. Vous avez raison. Il nous faut garder la tête froide. Maintenant, tous nos espoirs sont dans les mains de Monsieur de Ruges. Bonjour, suis-je bien au bureau des catastrophes maritimes ? Certainement. Monsieur est lui-même naufragé, je présume. Nullement. Je cherche des nouvelles d'un de mes amis, le commandant de Rosebourg. Certainement. Sur quel navire était-il embarqué ? Il commandait la Sibylle, une frégate perdue corps et biens dans le secteur des Bermudes. Il y aura 4 ans à l'automne. Sibylle. Certainement, nous avons cela. Voyons. Vous avez des nouvelles du commandant de Rosebourg ? Mais certainement, il est passé faire enregistrer son retour. J'ai ici le registre qui l'atteste. Voyons. Vous ne l'avez pas égaré ? Quelqu'un du service a dû l'emprunter. Ah, le voilà. Ah, non. Le voici. Non plus. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites ? Nous fermons, monsieur. Comment ça, vous fermez ? Et le commandant ? Il faudra repasser demain, monsieur. Monsieur ? C'est intolérable. J'exige de voir immédiatement le ministre. Je crains que ce ne soit pas possible, monsieur. Monsieur le ministre ne vient à son bureau que jeudi matin. À bientôt, monsieur. Chasseur, portez-moi en urgence cette dépêche à la poste. Tout de suite, monsieur. Est-ce de monsieur votre frère ? Oui, mon ami, de bonnes nouvelles. Dieu soit loué. Le commandant de Rosebourg a signalé son retour au ministère de la Marine. Dès que j'aurai plus de précisions, je vous enverrai une deuxième dépêche. Il est vivant, Marguerite ! Il est vivant ! Maman ! Maman, quel bonheur ! Oh, tu vois que nous avions raison d'espérer ! C'est le plus beau jour de ma... La lettre ne parle pas de Paul ? Ce n'est qu'une courte dépêche, Sophie. Des précisions doivent bientôt suivre. Je suis vraiment heureuse pour vous, madame. Ma Sophie. Ils sont sûrement revenus tous les deux, Sophie. Monsieur de Ruges a seulement oublié de l'écrire dans sa lettre. Encore un peu de patience, Sophie. Il faut attendre la prochaine lettre. Allons, nous sommes toutes un peu nerveuses. Organisons un jeu. Marguerite, va chercher Camille, Madeleine et les cousins. Je suis là. Je reconnais cet inimitable parfum de lavande. C'est de ton oncle. Mauvaise nouvelle. Je suis retournée aujourd'hui au ministère de la Marine. J'ai retrouvé le registre des naufragés, monsieur. C'est heureux. Nous disions donc... Ah, le voici. Sibylle. Ah, la Sibylle. Voilà, monsieur.
Mais quelle est cette plaisanterie? Il ne s'agit pas de la Sibylle, monsieur? Si, mais il ne s'agit pas du commandant de Rosbourg. C'est la déclaration de Blaise Lecomte, le second du commandant. Je regrette, monsieur, mais nous n'avons rien d'autre sur le naufrage de la Sibylle. J'ai laissé un message au ministère pour qu'on signale au commandant s'il revenait que sa femme se trouvait à Fleurville. Sophie, qu'allons-nous leur dire? Rien, Camille. Que pouvons-nous dire? Elle est en route, je le sais.